Eh bien bonjour les amis, bienvenue pour le 7ème épisode du coup d'œil dans le rétro. Aujourd'hui on va s'attaquer à un autre jeu de Formule 1 après avoir fait F1 Challenge la dernière fois. Eh bien cette fois-ci ce sera Grand Prix 2. Alors beaucoup m'ont demandé Grand Prix 3 ou Grand Prix 4, malheureusement j'ai beaucoup de difficultés à les faire tourner sur mon PC actuellement. Donc on va commencer dans l'ordre, on va d'abord faire le 2, les autres viendront un peu plus tard du moins j'espère. Donc Grand Prix 2, un jeu qui est sorti en 95, donc c'est un jeu de course uniquement sur PC, sur Microsoft. C'est édité et développé par MicroProse. Donc comme vous le voyez, il y a un petit affichage spécial parce que voilà, le jeu ne peut pas être en meilleure résolution de par son âge. Donc voilà, je vous ai fait un petit fond, j'espère que ça ne vous dérange pas. Sachez aussi pour un petit peu d'historique wikipédiesque que le jeu est le premier jeu PC à être sorti en résolution 800x600. Donc voilà, petite anecdote de l'époque. C'est un jeu qui a connu énormément de modes dans son histoire. Et aujourd'hui, il est très difficile d'en trouver puisque le site où on pouvait principalement trouver ces modes a fermé il y a quelques mois. Donc Racesimulation.com qui était une source incroyable, j'en ai déjà parlé dans F1 Challenge 99-2002. C'est vraiment une grosse perte ce site. Mais voilà, donc maintenant on est condamné à se contenter d'archives. Si vous avez des sites où je peux me fournir en mode sur ce jeu, je serais pas contre, même si c'est des modes graphiques ou des modes de son, etc. Voilà, exprimez-vous dans la section commentaires, c'est fait pour ça. Donc nous, ce qu'on va faire, on va faire un rapide tour du jeu, puisque je vais pas avoir non plus de l'intérêt à vous faire énormément de temps de jeu sur ce Grand Prix 2. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un ou deux Grands Prix rapidement. Et voilà, on va d'abord faire le tour des menus comme on le fait d'habitude dans les coups d'œil dans le rétro. Et voilà, on aura fait un petit peu un petit rappel francophone de ce qu'était ce jeu. Oui, je parlais rapidement des modes, sachez qu'il y avait de tout, il y avait du car, du champ car, de la F1, je pense qu'on pouvait encore trouver des modes. Moi à l'époque je pouvais trouver des modes jusque 2007-2008. Et voilà, après plus récent je ne sais pas si ça s'est fait, puisqu'après beaucoup se sont concentrés sur le Grand Prix 3 et Grand Prix 4 qui étaient bien meilleurs au niveau de la physique. Sa réalisation. Sachez aussi que, petit détail aussi, en fouillant sur le net, il fallait 8 MO de processeur, donc je pense que sur toutes vos machines aujourd'hui, ça tournera sans problème. Donc moi, je l'ai trouvé sur Abandonware, qui est un site français, donc je ne vous mets pas de lien parce que je n'ai pas le droit, mais allez y faire un tour, il y a pas mal d'ISO qui traînent. J'avais ce jeu en boîte carton il y a longtemps, mais je ne sais pas comment ça se fait, il a disparu de ma collection. Mais je me rappelle de cette boîte verte qui est à gauche, hein, vous le voyez en haut à gauche sur l'overlay on va dire de ce test. Donc ici on a deux choix, donc on a course rapide ou menu principal. On va aller dans le menu principal. Alors vous avez donc une résolution très petite, là je suis recadré via donc j'ai d'abord fait un rendu pour rendre l'image et je vous ai recadré ensuite ça pour faire du... La Full HD n'est pas utile, mais bon, avoir un minimum quand même, c'est pour vos yeux que je fais ça. Donc vous avez le menu conduite, où là vous partez pour votre course. Vous avez choisir charger un jeu ou une séquence, donc ça c'est le mode replay. Alors tout est traduit, vraiment, ils ont fait très long pour les traductions, au lieu de mettre replay, course, etc. Ils ont bien tout mis en francophone, en français, vous allez bien vous y retrouver. Donc choisir un pilote ou une équipe, j'y reviendrai juste après. Méthode de contrôle, options et quitter le jeu. Alors au niveau des options... Vous avez énormément d'options, dont ceci, configuration de l'imprimante. Alors ça, gardez ça à l'œil, je vais vous expliquer pourquoi cette option est là. Donc vous pouvez supprimer, on voyait qu'à l'époque il n'y avait pas beaucoup de place sur les disques durs des PC. Donc on vous demande de supprimer vos sauvegardes et le superflu, donc c'est un genre de C-cleaner avant l'heure. Vous pouvez modifier les détails graphiques, vous voyez que là j'ai tout à fond et je tourne en 25 images secondes, donc il n'y aura pas du full 60 fps bien sûr. Mais voilà, c'est assez drôle de voir les paramètres de l'époque. Au niveau du son, j'ai retiré le son des menus, bien sûr, histoire d'éviter tout souci de droit et de strike sur YouTube. J'espère que je ne vais pas avoir de soucis avec l'intro que je vous ai mis en plein écran. Désolé pour les utilisateurs d'écran 27 pouces, ça a dû vous piquer un peu les yeux. Record du circuit, les meilleurs temps. Menu liaison, ça vous donne un petit peu, voilà, si vous voulez faire du online. Option de mode avancé, là, il n'y a pas vraiment d'option, mais bon, voilà... réajuster vos contrôles, etc. Au niveau des graphismes, du contrôle, du son, etc. Donc, configuration de l'imprimante, on ne va pas y aller, mais je vais vous dire pourquoi ça sert d'avoir ça dans le menu, vous allez bien rigoler. Donc, méthode de contrôle, on peut essayer, j'ai pas réussi à le contrôler autrement qu'avec le clavier, donc exclusivement pour vous, on va jouer comme à l'époque, c'est-à-dire au clavier, avec le Q, le W et le point virgule et les deux points, hein, comme on faisait à l'époque. Puisque c'est ça qui fait aussi le charme de ces jeux, c'est que ça se jouait uniquement au clavier, il n'y avait rien d'autre à l'époque. Ou alors, pour les plus riches, il y avait peut-être déjà des volants. Je sais pas si en 95, il y avait déjà du matos de qualité. S'il y a des plus anciens, faites-vous entendre dans les commentaires. Donc, avant de partir en menu conduite, en fait, vous devez aller dans choisir un pilote ou une écurie.
Et vous avez en fait ici l'ensemble des pilotes du plateau. Donc il y a 28 pilotes, il y a donc logiquement 14 équipes, il y a 16 circuits. Donc vous avez les 6 circuits du championnat du monde 94, puisque la saison reprise de base dans ce Grand Prix 2, c'est la saison 94. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez sélectionner plusieurs pilotes. Donc c'est-à-dire que vous prenez part à un Grand Prix, vous partez avec... oui, alors il y a du... On peut renommer, comme vous pouvez le voir, par exemple chez Lotus, j'ai mis l'ami Pastor aux côtés de Johnny Herbert. Donc vous pouvez en fait renommer les pilotes. Donc voilà, vous pouvez mettre n'importe quel nom. On va mettre Pastor, hein, on va pas l'enlever. Mais voilà, vous pouvez personnaliser l'ensemble de votre grille. Par exemple, chez Williams, il y a peut-être des gens qui, comme moi, ont remis Ayrton Senna à la place de David Coulthard. Il y a un mode exactement pour recevoir le casque jaune à la place du casque écossais de Coulthard. Et pour ma part, j'ai choisi d'être équipier de Schumacher. On va prendre le casque de Jos Verstappen, le néerlandais volant. Donc on est, vous pouvez changer, pas les numéros, mais vous pouvez changer le nom. Et vous pouvez éditer le nom de l'équipe. Donc vous pouvez changer de motoriste. Par exemple, on peut faire Benetton, Benetton Lada, voilà, on va rouler avec un moteur Lada et tout va être adapté dans votre équipe. Donc vous pouvez renommer les équipes sans problème, le changeant, donc vous pouvez sauvegarder bien sûr et faire plusieurs fichiers. Donc en fait ici vous voyez il y a un numéro rouge, si vous voulez je peux encore en cocher un autre, voilà. Et en fait ça va déterminer le nombre de pilotes que j'aurai sélectionné pour mon Grand Prix. C'est-à-dire que je peux d'un moment à l'autre switcher d'un pilote à l'autre et gérer la course de deux pilotes en même temps, et c'est vraiment excellent. Bon après je vous avoue que j'ai plus utilisé ça depuis une quinzaine d'années, donc je vais peut-être être un petit peu rouillé à ce niveau-là, je vais peut-être même pas le faire du tout. Mais par exemple voilà, vous pouvez piloter, voilà, si on sélectionne deux pilotes en rouge, vous allez piloter avec les deux et vous pouvez switcher de l'un à l'autre, ou le switch se fera automatiquement toutes les autant de temps, tout ça c'est vous qui déterminez. Donc pour notre part, on va juste choisir la Benetton, on va commencer par un petit Grand Prix simple. Donc une fois que vous avez sélectionné votre voiture, votre pilote, vous vous rendez dans le menu conduite, et ici voilà, vous avez l'ensemble des types de sessions qui vous sont autorisées à prendre part. Donc vous avez la course rapide, donc là on vous balance dans un circuit, entraînement, donc c'est du tour par tour, course hors championnat, donc ça c'est un week-end de Grand Prix, la saison 94 au complet, et puis vous avez les options de conduite, donc voilà, là vous pouvez vraiment paramétrer le temps des sessions de qualif, d'entraînement, si vos arrêts au stand vous souhaitez les faire eh bien, de manière rapide, etc. Franchement, vous pouvez tout paramétrer. On va rester en débutant, vous pouvez choisir également si vous voulez par exemple les Minardi en haut de classement et les Williams qui se traînent, vous pouvez mettre au hasard, vous pouvez vraiment, il y a vraiment énormément d'options pour l'époque, et c'est vraiment ce qui faisait le charme de ces jeux, quoi. Vous pouviez avoir une première grille 100% Lotus, plus Jordan, enfin bon voilà. C'était assez marrant. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une course hors championnat. Donc vous voyez ici le calendrier, donc les 16 manches de l'époque, reprises dans l'ordre. Je pense que si vous faites un championnat, vous ne pouvez pas faire de championnat personnalisé, donc vous êtes condamné à les courir dans l'ordre. Donc on va partir sur Imola, parce que c'est un circuit dont j'ai assez bon souvenir sur ce jeu. Bien sûr en configuration de l'époque, donc pas de chicane à tambourello et de chicane à la fin du tracé. Donc vous avez vos essais du vendredi, la qualif du vendredi, les essais du samedi, la qualif du samedi, le tour de chauffe, qui est l'équivalent du warm-up traduit en français, hein. Sinon c'est tour de chauffe bien sûr, c'est le warm-up. Ensuite vous avez la course et vous pouvez sauvegarder ou abandonner. Donc ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va faire la séance de qualif du vendredi. Donc voilà, donc vous arrivez sur dans les stands en fait, et vous pouvez passer d'un pilote à l'autre, voilà. Donc par exemple ici, on est avec Heinz Harald Frentzen, j'ai baissé un petit peu le son parce que je me suis fait hurler dans les oreilles, avec Sasa Aubert. Donc vous pouvez suivre un pilote pendant la séance, donc là on est parti. Alors ce qui est très intéressant, c'est que vous avez un petit trait blanc qui ne correspond pas au trait interrompu d'une route classique, mais bien la trajectoire idéale. Au niveau des caméras, on va faire un peu le tour avec notre ami Frentzen. On a pas mal de caméras, alors bien sûr c'est extrêmement rudimentaire, mais pour l'époque c'était très bien fait. Vous voyez que la roue, bon voilà, elle se dirige, mais elle ne tourne pas, l'animation est très limitée. Par contre au niveau des angles de caméra, vous avez un choix assez hallucinant. Pas de présence de tabac ni d'alcool, hein, déjà à l'époque. Ah, quoique le chronombourg est peut-être affiché, j'ai peut-être dit une bêtise, mais en tout cas sur la Williams, il n'y a pas le Rothmans et ni le Marlboro sur les Ferrari. Donc voilà, on va passer les voitures. Donc là, on est revenu à notre voiture, hein, comme vous voyez. On va voir si, par exemple, voilà Jean-Marc Gounon sur la Simtech, puisque Roland Ratzenberger n'est pas inclus dans le jeu. Donc vous avez la vue arrière, donc voilà.
Et vous avez, voilà, j'ai mis le petit clap de cinéma, et ça va nous permettre de suivre la séance comme si on la suivait à la télévision, c'est-à-dire que ça va faire du montage, ça va changer de pilote, changer d'angle de caméra, et voilà. Je vais vous laisser apprécier un petit peu le son en vue télé, qui pour l'époque est vraiment, vraiment pas mal. Donc là, on est avec Eddie Irvine, donc tout est traduit, tout est vraiment correct. Oui, donc on a le chronombourg hein, dans le tambourello, donc visiblement on a l'alcool, on n'a pas le tabac. Bon, on va pas se plaindre, tout ça est modable bien sûr. Donc voilà, je vais vous laisser quelques secondes profiter un petit peu de ce magnifique replay. Donc voilà, donc vous avez vu un petit peu comment ça se présente au niveau de la qualité sonore du jeu, qui pour l'époque c'est vraiment excellent. Donc nous ce qu'on va faire, c'est que je vais tenter de m'y retrouver. Donc vous avez soit quitté les stands, vous pouvez sélectionner vos pneumatiques. Alors je cherche, parce que j'ai perdu les boutons, évidemment. Et après autant d'années, j'ai pas encore testé le jeu, depuis toutes ces années. Donc après avoir fait un petit peu de recherche, j'ai trouvé comment faire retour, c'est la barre espace évidemment. Donc vous pouvez aller dans votre configuration de la voiture, et donc vous pouvez récupérer la télémétrie, voir les données de télémétrie, configurer votre voiture. Donc là par exemple, si on veut mettre un peu moins d'appui à l'avant, on est parti. Hop, on met 7 à l'avant et on met 10 à l'arrière, faudra un petit peu plus. Les rapports de boîte, on va rallonger un petit peu. Voilà, et puis vous pouvez soit les sauvegarder, soit tout simplement les essayer directement en piste. On va quitter les stands. Du moins, on va essayer. Je vous promets rien. Voilà. Donc, on s'écarte et nous voilà donc au volant de notre voiture, notre Benetton Lada. Donc, on est parti. Alors, les rétros sont tout à fait fonctionnels et marchent super bien. Alors, on n'est pas bloqué non plus à cette vue-là hein, pour piloter. Donc on est parti comme à l'ancienne, avec les claviers, enregistrer les données, donc c'est parti. Donc vous avez votre tableau de bord, vous avez votre contour, alors vous pouvez passer les vitesses en... comment dire, en manuel. Donc il nous reste 4 tours de carburant et 12 tours de qualif, réglementation de l'époque, on est actuellement 17ème. Donc on va essayer de rentrer un chrono, donc j'ai pas mal d'assistance dites-vous, parce que pour faire fonctionner le jeu, c'est assez compliqué. Donc là je roule pas en full manuel, faut pas déconner. Donc j'ai une petite assistance au freinage et au virage. Et vous allez pouvoir revoir ce jeu un petit peu. Et c'est vrai qu'à l'époque c'était génial, parce que moi je l'avais forcément sur PC. Et les heures que j'ai passées à renommer les pilotes et les circuits, c'est hallucinant. Soit en reprenant bien la saison en cours à l'époque, mais ça date vraiment de... Ben, je pense que j'ai pas eu le jeu à sa sortie, mais je l'ai eu quelques années après. Parce que oui, on est dans l'herbe, alors vous voyez que dans l'herbe ça pardonne pas. Si vous êtes un peu inattentif, vous allez dans l'herbe. Alors par contre la conduite au clavier évidemment, ça rappelle beaucoup de souvenirs à ceux qui n'avaient pas de volant à l'époque, tout comme moi et comme bon nombre d'entre nous, puisqu'on pilotait au clavier. Et on développe un certain skill avec le clavier avec le temps, et c'est vrai que retourner à ça parfois ça fait du bien. C'est comme ceux qui jouent parfois à la manette. Par exemple, jouer au FPS, personnellement, c'est sur PC. Mais j'y joue aussi sur console, forcément, à la manette. Mais c'est vrai que voilà, sur clavier-souris, c'est une autre dimension. Et bien là, c'est un peu retourner aux sources des jeux de bagnole, puisqu'on n'avait pas de clavier. Enfin, on n'avait pas de volant, on avait le clavier. Et il fallait se contenter de ça, et de rien d'autre.
Je vous expliquais aussi que je jouais à F1 Challenge au clavier, Colin McRae Rally 1, School Academy, Colin McRae School Academy, enfin bref. J'ai tenté Richard Burns aussi peut-être au clavier à l'époque. Oui, j'ai une santé mentale qui s'est bien améliorée depuis 10 ans. Mais ça fait du bien de retourner sur ces vieux jeux-là et ça a fait remonter pas mal de souvenirs de l'époque. Non seulement de la saison qu'on dispute, alors que là on a bloqué les roues dans les deux gauches. Et on va conclure le tour. Je sais même pas ce qu'on va faire avec notre Benetton qui est normalement avec la Williams et la Ferrari qui sont les trois meilleures voitures du plateau. Puisque l'étalonnage de la difficulté et des performances des voitures est vraiment bien conforme à l'époque. Alors, on va conclure le tour. Qu'est-ce qu'on fait comme chrono? On fait le 12e temps, c'est une catastrophe. Donc on va regarder, voilà, on peut piloter avec les autres vues, donc ça c'est génial. Vous pouvez faire votre vue poursuite, qui est quand même jouable. Assez rigide, mais jouable. Donc les retours de flamme, vous voyez que l'animation, c'est, ouais, c'est correct. Hein. Franchement, il n'y a pas trop de clipping. Franchement, on voit assez loin. La distance d'affichage est tout à fait correcte. Vous n'êtes pas surpris par un vibreur ou quoi. Regardez ça, c'est vraiment... on voit même pas popper les pubs au fond à droite. Et le public, au fond, on voit un petit peu les murs des pneus. Mais honnêtement, c'est tout à fait honorable pour l'époque. Alors que là, on a percuté le vibreur. Alors, on va essayer de faire un deuxième tour un peu meilleur. Non, et honnêtement, c'est tout à fait complet. Oui, il y a du pop, évidemment, on est en 95. Mais techniquement, il est super stable, il est super au point. Ça tournait sans broncher, et votre CD-ROM sur lequel vous aviez le jeu, vous le gardiez comme une relique. C'était un peu le cas pour tous les jeux, ceux qui ont joué au premier Tomb Raider également. Je prends ça comme exemple, mais voilà, à l'époque, c'était sur CD, et vous aviez vos magazines de jeux vidéo qui débordaient dans les rayons, et vous aviez vos démos, et vous aviez des CD de démos avec... Enfin, c'était génial, quoi. C'était simplement... Aujourd'hui, c'est une époque qui n'existe plus, et c'est vrai que ça, c'était vraiment les jeux de l'époque où on avait les screens alors qu'on se fait doubler. Tu vois, voyez Racing à droite, Rotmans, donc il n'y a pas le tabac. Donc on a fait un autre chrono, alors que là je suis passé en mode caméra, ce qui est une très mauvaise idée. Donc on peut piloter en vue caméra, donc on est un peu large là-dedans. Alors une fois que vous êtes dans le gravier, bonne chance. Voilà, vous ressortez du gravier. Alors les dégâts sont très bien faits aussi pour l'époque. Donc vous pouvez piloter en... Regardez ça, ça se bagarre derrière avec les arrows et les... Et je ne sais plus, les Pacifiques, l'équipe Pacifique qui a débuté et qui a fait faillite en 95 avec Paul Belmondo notamment. C'est vrai que là on est bien largué par rapport à l'IA et pourtant on est en très facile. Rendez-vous compte le niveau que j'ai, je suis vraiment nulle part. Mais voilà, là je pilote avec la vue télé hein, et c'est vraiment fun. Bon, bien sûr, je suis aidé par les assistances, mais. Alors on va essayer de voir un petit peu si on a des dégâts. Non, il n'y a pas de dégâts activés. Donc c'est pas grave, on va terminer la séance. Donc vous pouvez soit accélérer le temps, voir le chrono, vous avez aussi le classement en temps normal. En temps réel, pardon. Donc vous pouvez sauvegarder votre progression. Donc on va abandonner les qualifs. Donc on laisse tomber les qualifs. On a le warm-up que l'on va pas faire et on va se lancer dans la course. Alors, tout à l'heure je vous ai parlé de la configuration d'imprimante. Pourquoi ? Eh bien parce que vous pouviez imprimer votre grille de départ. C'est génial ! Vous pouviez imprimer la grille de départ avec les noms des pilotes, les équipes... Tout, c'est génial quoi. Voilà, c'est une option qui à l'époque, enfin je sais pas à quoi ça servait si vous alliez dans la cour de l'école en ramenant votre grille de départ en disant ouais t'as vu, parce qu'il y a pas les chronos, c'est ça, il y a pas d'intérêt, il y a pas le meilleur temps, donc c'est pas très intéressant, on n'a pas les chronos, on n'a pas d'infos quoi. Mais c'est drôle de pouvoir imprimer sa grille de départ. Donc on est parti à Imola. On va se mettre en vue poursuite, histoire de voir un petit peu. On n'ira pas au bout des 12 tours de course, hein, je vous garantis les amis. Les feux rouges vont s'allumer. Et quand ils vont s'éteindre, ça va être parti. J'ai remis le clavier. Voilà, on est parti. On patine un petit peu. On va essayer de se placer. On va doubler ce qui semble être une Lotus. Allez. On va passer à l'intérieur de la Simtech. Allez, on va essayer de... On est accroché à la Lotus, c'était pas terrible ça. On va freiner pour Tosa. Voilà, et on est à l'intérieur. On va essayer de prendre... Allez, la Sauber, c'est passé. On a passé aussi une Larousse dans la remontée. Donc heureusement qu'on a une bonne voiture hein, pour remonter sur les autres. Ça a l'air un peu plus jouable quand... Comment dire, quand on est essai libre. On est derrière une Tyrell, je crois. Oh là là. Et le dépassement sur la Minardi, c'était magnifique. C'était peut-être les deux Minardi qui étaient là. Donc on a doublé une Minardi. Alors vous allez avoir en fait en temps réel pendant la course tous les faits de course qui vont s'afficher sur le haut de votre classement. Donc tel pilote rentre au stand, tel pilote fait le meilleur tour, tel pilote a abandonné.
Lorsqu'un pilote abandonne sur la piste, casse un moteur ou a un souci, un accident, etc., vous allez avoir une animation, déjà des commissaires de piste qui vont se placer en bord de piste. Bon, ça, c'est pas très réaliste, mais c'était vraiment bien pour l'époque. C'était hallucinant. Donc, vous allez avoir tout au long de la section les commissaires qui vont agiter les drapeaux jaunes, et à la fin de la zone dangereuse, eh bien, vous allez avoir le drapeau vert, alors que vous voyez que les meilleurs tours s'enchaînent. Alors là, on est très très lent dans la chicane, on a fait se faire reprendre par une Minardi. Et on a complété déjà le premier tour de course. Donc on n'a pas d'infos sur le classement et tout. Pour ça, il faut se remettre... Oh là là, j'ai pas pris la bonne caméra, mon dieu. J'ai failli me tuer sans faire attention. Donc on revient en vue embarquée pour vous montrer un petit peu les différents plans. Et c'est vraiment tout à fait roulable. Et la physique déjà du casque, regardez comment le casque bouge. C'est vraiment... Enfin voilà, c'est très complet pour l'époque. Bon, évidemment, il faut aimer le pixel. Hein. Si vous n'êtes pas rétro gaming, ça va pas vous intéresser. Mais quand vous étiez beaucoup à me le demander, ben voilà. Plutôt que de faire le 4, puis essayer le 3 et tout, ben, j'ai dit on va directement s'attaquer au vrai, quoi. On va attaquer l'original. Alors, le tout premier Grand Prix, je n'y ai jamais joué. Trop vieux, tout simplement. Moi, trop jeune, on va dire ça dans ce sens-là. Ça me fera moins mal au cœur. Alors, on va passer en vue museau. On va passer un petit peu les vues, on va piloter un petit peu avec tout ça. Donc voilà, vous avez un petit peu une idée de ce qu'était ce Grand Prix 2, qui était vraiment la référence. Alors Jeff Cramon, je vais arriver, est celui qui a développé tous les Grands Prix, et il est considéré aujourd'hui comme le meilleur développeur de jeux de Formule 1 de l'histoire, hein, tout simplement. Puisqu'il y avait, je me demande s'il n'avait pas bossé déjà sur Virtua Racing, sur Mega Drive et 32X. À l'époque, mais voilà, c'est vraiment une bonne boîte. Et alors Microprose, une boîte formidable également, qui nous a fait également les F1 95, hein, que vous avez sur PlayStation 1. Allez jeter un coup d'œil sur la boîte. Ils ont vraiment fait pas mal de choses. Et alors, pour la petite histoire, si vous vous rappelez des noms des développeurs des actuels jeux de Formule 1, hein, qui sont faits par Codemasters Racing, eh bien, dans la liste des jeux, vous allez retrouver, dans la liste des gens, pardon, vous allez retrouver deux noms, Steve Wood et son équipier dont j'ai oublié le nom, et je vous mettrai en insert le nom exact pour ne pas dire de bêtises. Et ce sont deux personnes qui bossaient à l'époque avec Jeff Cramon sur les Formula One. C'est pour ça que vous avez un petit peu... Moi, quand le premier F1 est sorti de chez Codemasters, le 2010, je me suis dit, pourvu qu'ils nous fassent l'animation où on pousse les voitures dans les stands. Ça vous paraissait débile, mais c'est ce qu'il y avait dans les Grands Prix. C'est ce qui était génial dans les Grands Prix à l'époque, c'était l'immersion, le boulot sur les mécaniciens, etc. Et je continue de rouler, hein, vous inquiétez pas, je garde un œil sur la course. Et ce qui était vraiment génial à l'époque, c'était cette immersion. Et quand j'ai vu tourner les premières démos, ça va être compliqué de rouler avec ça, les premières démos de vidéos des Dev Diaries, des gars qui faisaient le F1 2010, et j'étais tout content parce que je revoyais ce que j'avais vu à l'époque. On est sorti avant la Tosa, malheureusement. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va repasser sur notre voiture et regarder ce qui se passe quand vous avez une voiture qui s'arrête ou qui abandonne. Ça va me permettre de vous le montrer. Donc une fois que vous êtes stoppé, il y a un souci. Normalement devraient arriver les commissaires de piste. Voilà, donc vous voyez les commissaires qui se mettent sur le bord de la piste. Et si bien je ne réagis pas, au bout d'un moment il y en a un d'entre eux qui va venir et qui va me mettre tout simplement en dehors de la course, en dehors du circuit. Voilà, donc on me pousse, voilà. Donc là j'ai abandonné. Et vous allez voir la voiture qui va se soulever. Ah, dommage. Ah bah voilà, j'ai abandonné, donc je n'ai plus le droit de voir ma voiture. Donc si on revient sur la tête de course, on voit meilleur tour pour Coulthard, donc pour nous Ayrton Senna. Donc voilà, donc au niveau de l'immersion, c'est vraiment sympa, mais même à regarder, je vous dis, c'est vraiment agréable parce que vous avez une IA qui est intuitive, qui dépasse, qui n'est pas forcément sur les rails. Vous voyez que ma voiture est toujours arrêtée sur le bord de la piste, hein. Malgré tout, elle a été poussée hors piste, mais pas retirée. Comme ça se faisait à l'époque, hein. Vous aviez des Grands Prix, c'était jonché de carcasses sur le bord des routes. Donc voilà, ça c'était un petit peu le point de vue d'une première course à Imola. Sachez donc voilà qu'on a abandonné, évidemment. C'est le triste résultat. Donc, soit vous pouvez retourner au cockpit et redémarrer la course, etc. Donc nous, on va abandonner. Donc on vous demande si vous êtes bien sûr. Donc on peut soit relancer une course directement, soit quitter le circuit. Donc on va faire une autre course hors championnat. Alors, on va aller, je vous le donne en mille, à Francorchamps. Vous pouvez avoir les infos du circuit, donc les records de l'époque. Donc la pole a été faite par Barrichello, hein.
à l'époque, il faut savoir. Et regardez bien le raidillon, en fait, le raidillon est en configuration. Alors je vous montre passe pas par simple chauvinisme de base, mais bon, on va aller directement à la course. On va pas non plus faire les 12 tours, donc comme ça vous avez compris le principe. J'aurais pu prendre une autre voiture, mais c'est pas grave. On va voir un petit peu avec les caméras comment on peut piloter. On va essayer avec cette caméra-ci. Donc vous allez voir que le raidillon de l'époque, c'est parti, et eh bien a été adapté suite à l'accident de Senna et de Ratzenberger. Alors on va faire l'intérieur. Ça c'est magnifique, on a doublé 10 voitures, on est derrière une Ligier et une Jordan. Alors on va se mettre à gauche, on va essayer de passer la Ligier dans la descente. Et regardez le raidillon comme il est. Il est en configuration normale, donc il n'est pas comme, je vous insérer une photo, il n'est pas comme, oh là là, il y a eu un accident devant et nous on a percuté la voiture, drapeau vert, vous voyez, on a vu le drapeau vert qui s'est agité, donc on va sûrement avoir maintenant le nom des pilotes qui ont eu un souci qui va s'afficher, s'il y en a qui ont dû abandonner. Oh là là, on a percuté une Jordan, la Jordan est très lente, elle doit avoir un souci moteur, alors oh là là, et on a de nouveau percuté quelqu'un, c'est la Sauber, ah là là. Petit souci. Oh non, pas du tout! Pas du tout! Je ne voulais pas. Oh là là. Alors là, on a récupéré in extremis notre voiture. Alors est-ce qu'on peut me remettre. Je cherche juste la caméra de base. Alors que là, on a envoyé Martin Brundle dans le mur. Où est la caméra de base? C'est dingue ça! Je n'ai plus la caméra de base? Si, ça y est, je l'ai retrouvée! Pardon. Voilà, donc on repart pour un autre départ. Parce que je voulais vous montrer la vue de base du jeu, finalement. Donc après avoir emmené dans le mur ce qui semblait être Martin Brundle, je crois. Mika Hakkinen. Non, je pense que c'était Brundle, avec le casque blanc. On repart pour un deuxième départ. Donc la fumée et tout, vous voyez que c'est vraiment excellent. Donc là, on prend tout le monde à l'intérieur. Ça a toujours été comme ça dans tous les jeux, hein, pour Francorchamps. Vous mettiez à l'intérieur, vous doubliez tout le monde. Et là, regardez, on a envoyé... une McLaren bien loin. Il y a une Tyrell sur la droite, on va essayer de passer à l'intérieur. Voilà, on est devant Katayama. Oh. Oh là là, alors là il y a eu de l'accident dans le raidillon. Non, ça va, c'est simplement ralenti. Ça a failli mal se passer. Donc voilà. Donc c'était un petit tour d'horizon de ce que pouvait proposer à l'époque un très 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 bon jeu de Formule 1. Et ce Grand Prix 2, voilà, est trouvable donc sur le site que je vous ai fourni tantôt. Allez revoir si vous n'avez pas bien compris. Et ça se lance avec un ISO classique, quoi. Mais bon, au bout de 48 heures, vous effacez la ROM, hein, je vous ai rien dit, attention. Hein. Mais ça fait plaisir pour les plus jeunes qui n'ont pas connu eh bien, cette époque. Ça paraît bête de dire ça à 20 ans, mais c'était déjà il y a 20 ans. Hein. Il a 20 ans cette année. Les 20 ans de Grand Prix 2, c'est cette année. Hein, c'est sorti en 95. Et bien pour fêter ça, on a commencé par ce jeu-là. Alors je dis pas que je mettrai 3 et 4 ans à mettre les Grand Prix 3 et Grand Prix 4 en coup d'œil dans le rétro, mais on va peut-être faire du plus récent. J'ai en tête le premier Race Driver Grid que j'aimerais bien vous montrer pour ceux qui n'ont pas connu le premier ou qui ne se rappellent plus de ce qu'était ce superbe jeu. Il y a plein de jeux qui traînent dans ma tête. Pas forcément de l'AF1. Alors là, on a dû avoir Hakkinen et Katayama qui sont devant, à Blanchimon. Alors est-ce qu'on va essayer d'attaquer à Katayama? Non, vous voyez que ça se défend bien, hein. Et même hors trajectoire, meilleur tour pour l'Autrichien. Oh, et on a percuté le mur, et ben voilà. On a percuté de plein fouet la chicane. Mais bon, c'est dispo, c'est trouvable en français, c'est même plus ergonomique et plus intuitif que Race Room. Non, non, je plaisante, voilà. Entrée au stand pour Brundle, donc c'est lui qui s'est fait percuter à la source tout à l'heure. Donc voilà, même en vue, vous avez même les étincelles dans la descente. Oh, et regardez, voilà, petit dérapage dans la montée. Bah écoutez, merci d'avoir suivi ce 7ème épisode du coup d'œil dans le rétro dédié à Grand Prix 2, un jeu donc fait par Microprose et surtout le grand Jeff Grammons qui nous a fait... Grammons, pardon, qui nous a fait passer deux belles heures derrière eh bien, nos ordinateurs en 800x600. Eh oui, à l'époque. Merci beaucoup les amis d'avoir suivi cette vidéo, je vous donne très vite rendez-vous pour une nouvelle vidéo dès demain normalement, et un coup d'œil dans le rétro dans pas si longtemps que ça, hein. Ça je vous le promets. Allez, salut. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésite pas à cliquer sur une des deux autres proposées ici pour découvrir d'autres contenus de ma chaîne.